Épisode 4. On prend les mêmes et on recommence. Après avoir vaincu le docteur Nefarius sur la planète Magmos, Quark regagna ses pénates à Métropolis pour une permission bien méritée. Oh, John, il est temps de te dire la vérité. Ce bébé n'est pas de toi. Quoi ? Qui est le père ? Oh, ton frère jumeau diabolique, Stryker. Mais Pamela, je suis Stryker. Ah, c'est sûrement le livreur de pizza. Guten Tag, Capitaine Flask. Non, Helga, mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens pour te secouer les puces. Tu as sacrément enflé. On dirait une saucisse verte géante. Oh, un petit parcours d'entraînement pour la forme. Ah, oh, bon, d'accord. Pendant ce temps, du haut d'un toit surplombant les rues animées de Métropolis... L'heure de ma vengeance a sonné. Allez, mes serviteurs robotiques, démolissez cette ville! Apportez-moi la tête du capitaine Quark! Tu vas me le payer! Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le nain? Ce n'est pas fini, Quark! Je jure qu'un jour, je reviendrai pour te détruire et humilier la ville de Métropolis tout entière! Juste un petit conseil, Nefarius. Arrête, tu vas attraper la grosse tête. C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bon. Mais... on dirait qu'il manque quelques pages. Merci, professeur. Je vais prendre la suite. Et c'est ainsi que se termine la plus grande histoire de bravoure et d'héroïsme. C'était la véritable histoire du triomphe du capitaine Quark sur l'abominable super méchant connu sous le nom de... Dr. Nefarius.